Salut à toutes et à tous, c'est Kowagourou, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on reprend sur Rescue HQ. Alors, je vais faire une chose quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Par sécurité, hein, par sécurité, on va partir là-dessus. Donc, je vais laisser la place. Donc, je vais laisser la place ici pour, au cas où j'ai besoin d'étendre le garage. Et donc là aujourd'hui, on va attaquer à faire les emplacements pour les médecins. Et vous voyez que bah, pour les médecins, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a que les lockers. Donc, effectivement, il faut que je mette un couloir d'abord. Hein, on fait ce qu'on peut au début. Hein. On corrigera bien plus tard. Voilà, ça suffira pour le moment, mais au moins j'ai la place, j'ai fait une pièce qui est suffisamment grande. Voilà, allez, en avant pour faire la pièce pour les blessés. Alors, là par contre il faut que je la fasse mouse costaud. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Donc on a le même principe que pour les pompiers. Donc j'avais je vous ai dit hein, dans ma vidéo mardi, j'ai eu un souci, donc il y a une auto-sauvegarde dans le jeu, mais vu que je suis en pause, l'auto-sauvegarde n'avance pas. Donc j'ai mis les casiers, les recharges de l'air, les recharges des extincteurs. J'avais oublié de mettre les hazmats, donc je les ai mis ici. Et pour la police, ben, ça va être pareil, mais c'est même pire. En fait, c'est même pire. C'est le pire du pire, cette zone. Vous allez voir, je vais être obligé de faire ça. Pourquoi? Parce que on a l'armurerie. Je vois que j'en ai deux. Désamorçage des bombes. Entreposage du matériel d'émeute. Tireur d'élite. Drone. Équipement de sauvetage. Les toutous. Et les contrôles de foule. Alors, on va faire ça. Ça c'est pratique hein, de pouvoir déplacer les objets, c'est vachement pratique. Donc j'en ai mis 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3 fois 8, 24. Voilà, donc j'ai mis mes portes. Ensuite, bon, par quoi on attaque? Ah ouais, parce que regardez ça. Non mais, pour un équipement d'émeute, regardez la place qu'il faut. T'imagines un peu le bordel. Non mais c'est dingue. Parce que deux, ça suffit pas, il en faut des dizaines et des dizaines. Alors, on va déplacer la porte.
Alors, il faut que je prévoie à mettre un autre mur. Ça fonctionne. Ne me demandez pas pourquoi, ça fonctionne. Alors, les ateliers de drones, c'est large. C'est large aussi. Voilà, ça c'est bien. Oh, c'est pas vrai. La même chose, hein. Ouais, mais c'est bizarre. Pourquoi il y en a deux? Je sais que j'en ai besoin de plusieurs, donc ça me pose pas de soucis. Alors j'ai mis deux bombes. Quatre guns, deux bombes, quatre tubas. On va remettre ça parce que je sais que j'en ai besoin de beaucoup. Alors celui-là c'est le pire du pire, regardez ça. Je ne peux le mettre que dans un sens. C'est ouf, hein. Ah attendez. Ouais, on va faire comme ça. Hop. Amis, il y a du matos, ça rigole pas aujourd'hui. Alors j'ai oublié de mettre ça. Alors les petits toutous. Nickel, comme ça j'ai ma petite porte. Et puis, s'il faut, hein, j'ai encore de la place au milieu. 1, 2, 3 drones. 1, 2, 3 anti-émeutes. 1, 2, 3, 4, 5 guns. Bon. Ça fait du matos. Bon, niveau équipement, c'est fait. Ensuite, on a une salle de relaxation, ça suffit pas. Il en faut plus que ça. Alors, mais je trouve qu'elle est vachement, elle est pas mal faite. Mais on va la réarranger un petit peu. Moi, j'ai pas besoin d'avoir 40 000 portes. Ça me plaît pas mal ça, mais j'aime bien.
comme ça, regardez ce qu'on peut faire. Et on peut faire ça. On peut même en mettre un ici au pire, hein, mais après... faut laisser le passage. On va déplacer la porte. Ici. Voilà. Vous avez vu, hein, ils mettent double porte, eux. Bon, alors, bah oui, mais en fait, ouais. Ouais, alors ça te fait quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, faire la même chose ici. Ouais, il faut que je fasse sur 9, puisque je suis là sur 9. Ça, c'est pas mal du tout ça. Non, oh, on va aller même plus loin. On va aller plus loin. Vu qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Voilà, c'est pas mal comme ça. Alors par contre, pour reproduire la même chose, c'est plutôt le portel. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas cloner la pièce. C'est clair. Mais oui, je vais mettre la porte, t'inquiète. C'est pénible, hein. Ah, mais elle est peut-être dans l'autre sens. 2, 5, 6, 7. Mais non, 8. 2, 4, 6, 8, 9. Ah, ouais, non, c'est bon. C'est bon. Merde. Ah, zut. Je peux pas. Aïe, ça me bouffe tout, ça me change tout là. Et oui, ah, ça m'arrange pas du tout. Bon, on va le modifier, hein, tant pis, hein, on va le faire de notre manière. Voilà, on va le faire comme ça. Je mets la porte, même si, hein. On verra quand ce sera installé. Ah, c'est dommage, je suis juste là. C'est vraiment dommage. Je perds une place, pas grand chose. Boum.
Deux salles, c'est pas mal. On verra si j'en ai besoin d'une troisième plus tard, parce que de toute façon, pour le moment, j'ai pas de soucis. Alors, cuisine. Alors, ça, ouais. C'est trop petit. Donc, ici, on fait les toilettes. Mais oui, je vais la mettre ta porte, t'as fini, oui. Ah, t'es content? Pour ces messieurs dames. Question, ça rentre ou pas ici? Logiquement non, ouais. Dommage, hein, mais bon, pas le choix, de toute façon. Alors. Sens. Parce que je me pensais mettre la porte ici, moi. Ah, si, 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 si. Faire comme ça. Ça suffit. Alors, très très importante. La cuisine, il faut qu'il mange. On va le mettre comme ça. Je sais plus. Je sais plus. Bon, je vais agrandir au cas où. Donc, on a les grandes cuisines. Hein. Ça doit pouvoir rentrer. Il me faut un mur. On va mettre les frigos.
Ouais, ces emplacements de table là, c'est pas top du tout. Ça m'oblige à faire un truc comme ça parce que, bien évidemment, j'ai même pas envie de mettre les tables, ça me gonfle. Ça prend trop d'espace pour rien. Je préfère leur mettre des chaises, moi, toute simple. Hein. Oh, on n'est pas là pour que ce soit le grand luxe. Hein. Non, mais oh. Donc, salle de bain, c'est fait. Cuisine, c'est fait. Chambre à coucher. On peut faire ça, je vous les avais pas montré, les lits superposés. Alors pour supprimer une partie de pièce, bon on fait ça. Tout bête, hein. Tout simple, tout simple, tout simple, tout simple. Bon, ça fait des petites pièces, très étriquées. J'ai encore de la place. Ça me vite, hein. Parce qu'il me reste beaucoup de choses à mettre. Les bureaux. Alors on va mettre la formation ici, les amis, hein. Parce que je sais. Je sais. Ils sont gentils, ils ont mis un bureau ici. Et les bureaux de la police, il va me falloir tout ça. Pour le moment, j'ai pas, on va dire, j'ai pas le... J'ai pas d'enquête, j'ai rien du tout, hein, on part de... Oui, voilà, j'ai pas de document d'enquête, rien du tout. Mais on sait jamais, hein. Ah, et puis j'ai la salle médicale à mettre aussi. Oh là 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 là, oh là là là. Bon. Écoutez les amis, j'en arrête là pour aujourd'hui. Et puis, ben, on se retrouve mardi dans la suite de Rescue HQ pour construire notre quartier général. Effectivement, j'ai utilisé beaucoup de place pour certaines pièces. Mais je me souviens que j'ai galéré à la fin parce que je manquais de place à certains endroits. Donc, ah, on peut toujours rogner une ligne ici pour les véhicules. Enfin, bon. Hein. Allez, je vous retrouve mardi pour la suite. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Amusez-vous, je beaucoup. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut, bye bye.